Je vais vous présenter les deux types de parachutes en service au sein des unités troupes aéroportées. L'ensemble de parachutage individuel, qui est l'ancien parachute, qui est petit à petit amené à être remplacé par l'ensemble de parachutage du combattant. Ce parachute nous permet d'emporter le système félin, puisque le système félin est un système beaucoup plus lourd. Sa voilure de 115 mètres carrés nous permet une charge maximum de 165 kg, alors que la voilure de 74 mètres carrés de l'EPI nous permettait une charge maximum de 130 kg.